Yo, 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 get busy. It's only on maximum. Ne cherchez pas ailleurs. Ça n'existe que sur maximum. Demandez maximum, ne quittez pas. Ben, je connaissais les remix, je connaissais les surmix, les super remix surremixés, mais en tout cas sur maximum, ben, je connais les vrais remix, ceux que j'écoute chez moi. Nothing can stop us. Pas du top. Maximum. Maximum, tous les tempos dans la peau avec Lionel Saffray. Pour une fois, ce n'est pas Cocteau. Lionel Saffray sur Maximum, Laurent Max. Pour deux fois, ouais. C'est deuxième. Ça y est, qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Voilà, t'arrêtes pas de dire n'importe quoi. Je sais plus. Merci Eric Madelon. On donne rendez-vous tout à l'heure à la Rêve. À la Rêve, porte de la Villette. On va y aller en scooter, torse nu sur le scooter. Pour l'instant, il est 1h du mat. Et on se remet les ailes. Salut, à bientôt. Et donc, il est 1h. Tout nouveau. Maximum. Ça bouge plus. Plus. Party Max. Toute seule. Toute seule. Toute neuve. Toute jeune. Et déjà. Et déjà maximum. 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 Oh, bon sur les BL. Et puis la phrase nouvelle d'aujourd'hui, c'est je n'aime que toi, petite fleur des champs. N'importe quoi, bon après-midi, il est 16h, c'est Maximum. Maximum. Les dernières infos sur les derniers rythmes, c'est Max Import. Maximum, maximum. Double X. Allô Mickaël. Allô, salut Pat. Tu m'entends bien? Ouais, ça va. Tu m'appelles d'où? De quand? Eh ben, tu sais qu'on a fait gagner déjà une brique ce matin. Ah, comment c'est super. Est-ce que t'en es conscient que tu risques de jouer pour 10 240 francs? Ah là là, la classe. Ouais, tout ça en une minute. Eh ben écoute, c'est toi qui es responsable de ton propre destin. D'accord. Tu as tout dans les mains pour réussir et on t'envoie les 11 extraits et à toi de te débrouiller, d'accord? D'accord. On y va. Double X. Oui. Blackbox. 20. Très bien. Michael Jackson. 40. Ah, je sais pas. Ah, non. Sac. Oui. 80. Ah, vient de passer. Ah, je sais plus. Money Love. Très bien, 160. Bon. Delegation. Ouh là là, un connaisseur, 320. Impeccable. Comment ça s'appelle? Criminologue. Oui, c'est 140. Ah, je connais pas. Ah, bah il en reste un, hein. Ah, c'est dur. Fais le maximum. Non. Ah, je sais pas. Oh là là là, c'est dommage que tu le connaissais celui-là.
C'était CNC Music Factory. Ouais. Et tu sais, tu jouais pour 1280 balles sur ce coup-là. Hein. Ah, bah c'est bien quand même. Et bah écoute, 640. Ah, ouais. C'est ça que tu viens de gagner quand même. Super. Eh bah c'est très bien, moi je dis. Ouais, c'est très bien, moi je dis. Jimmy Somerville, Black Box, Michael Jackson, Stax ou Snap. Il y avait Money Love, Delegation et Kylie Minogue. Tu nous as raté juste Clank Vert qui était plutôt dur. Ah, c'est dur. Il y avait aussi celui que tu connaissais, c'était Stetchy Orlando Johnson. Il y avait aussi Sonia Roach et juste à la fin CNC Music Factory qui nous laisse un petit goût de regret quand même. Ah ouais. Bah écoute, de toute façon Mickaël, ces 640 balles ils sont largement mérités. Ouais. Parce que tout ce que tu m'as sorti, tu l'as sorti sans hésiter. Et quand bien même ça aurait été avec des hésitations, eh ben on t'aurait fait chèque quand même, t'as vu comment on est nous. Bah, écoute, on t'envoie ça à Caen. D'accord. Et puis on espère te voir et puis aller faire un tour à Caen le plus vite possible. Sûr. D'accord. Ouais. J'espère qu'on sera bien sûr. Ah bah oui. Salut Mickaël. Salut. À bientôt. Premier invité d'aujourd'hui, Pascal Loubet, rédacteur en chef de Rock'n'Folk. Demain, le Must des Moches. Je vous le rappelle, les 100 titres les plus canons de la décennie et demie depuis 1976. Ce sera à partir de 15h, donc demain. Pour l'instant, il va nous dire quel est son must de cette semaine. Écoutez-le. Bon, en fait, pour Aston Waters, ce qui m'a surtout beaucoup plu au départ, c'était que c'était produit par les Basement Boys. Et les Basement Boys sont des gens qui sont à Baltimore et qui produisent Ultra Naté. Ce sont deux espèces de cinglés qui s'occupent exclusivement de production. Ils ont déniché apparemment quelqu'un, une chanteuse, et tout ça sort sous Crystal Waters. Ce qui est merveilleux évidemment, c'est que à peu près tout le monde a craqué dans les boîtes dès la première fois où le truc est sorti, avec l'inévitable nanani nanana etc. C'est tout bête, c'est mon must. Vous avez demandé maximum, ne quittez pas.